Après son indépendance en 1980, l'archipel du Vanuatu a bien créé sa monnaie, le Vatu. Si celle-ci sert pour le commerce moderne, dans les zones urbaines, elle n'a pas remplacé le troc. Cochon sur pattes, dents de cochon, coquillages, nattes tressées sont les monnaies d'échange les plus utilisées hors des villes. Les nattes rouges ont de nombreux usages. Elles servent aussi de linceul lors des funérailles. On ne peut pas faire de cérémonie avec des vatous. On doit le faire avec des nattes. C'est pour cela que les gens ici donnent plus d'importance aux nattes et aux cochons qu'aux vatous. Fruits et légumes s'échangent, ainsi que viande et poisson. Et malgré un faible niveau de développement, de nombreux habitants du Vanuatu clament qu'ils ne sont pas pauvres. Ce que les Blancs appellent la monnaie, nous, nous en avons beaucoup. On est riches. Dans d'autres pays, ils n'ont que leur monnaie. Mais nous, ici, on a aussi nos racines et on a beaucoup d'argent. Les autorités politiques du Vanuatu favorisent le maintien du troc comme principal mode de commerce, au nom d'un système de valeurs mélanésiennes qui renforce les coutumes et les traditions. Voici Vanuatu, troc, coutumes et dents de cochon, un film de Nina Barbier. Peut-on vivre encore sans argent? Aux Nouvelles Hébrides, un archipel du Pacifique Sud, c'est possible. Dans ces îles, la nature est généreuse et tout le monde mange à sa faim. Les habitants vivent du troc, une pratique totalement obsolète en Occident. Obsolète? Pas du tout. Au Vanuatu, le troc a toujours cours. En 2008, il y a eu une grande crise financière. Nous, on n'était pas au courant. On vit selon notre tradition. On se sourit toujours les uns les autres. On est heureux. Moi, je n'ai jamais perdu d'argent à la banque, car j'en ai très peu. Parfois, si on n'a pas d'argent, on pratique toujours les échanges traditionnels. Si tu n'as pas d'argent pour acheter du poisson, tu vas dans ton jardin ramasser du taro, des ignames, pour les échanger contre du poisson. Pas de carte de crédit, pas de carnet de chèque, ni de compte en banque. Tout ça fait rêver et semble impossible aujourd'hui. Et pourtant, le Vanuatu, ancien condominium franco-britannique des Nouvelles Hébrides, a une fiscalité attrayante qui attire les investisseurs du monde entier. À Port Vila, la capitale, des établissements financiers et bancaires et des emplois salariés. Dans le reste du pays, pas de salaire. La population vit principalement de sa production agricole, qu'elle troque. Comment ces deux économies totalement opposées parviennent-elles à cohabiter? Have you done some kayaking before? Vous avez déjà fait kayak? Oui. Simple, double. Jean Bosco Tibal vit entre ces deux économies. Originaire de l'île d'Embrime, il est guide touristique à Port Vila. Voilà. Attention la tête, Thomas, fais attention. Bosco prépare une visite à sa famille qu'il n'a pas vue depuis 5 ans. Il achète du savon, de la lessive, du riz et des vêtements, cadeaux appréciés dans les îles. Alors,
Les gens dans les îles, à Ambri, ils sont obligés d'acheter des vêtements ou bien du sel, du savon. Mais par contre, tu peux construire ta maison avec des matériels locaux. Là. Il y a du bois, il y a des feuilles natangora, c'est une sorte de palmier. Là. Pas besoin d'argent pour faire ta maison. Ouais, c'est, il y a tout. Ah, si j'ai mon petit jardin là, là. Et là, on appelle ça les choux des îles. C'est comme des épinards. Oui, c'est la seule végétale très riche en calcium. Au Vanuatu, on ne boit pas de lait. On a du bétail, mais que pour la viande, pas du lait. Ça pousse tous les deux jours, deux, trois jours. Tu prends, là, deux jours après, ça revient. Tu vois. Avec du lait de coco, waouh. Top. C'est le supermarché gratuit. Il y a papaye, il y a mandarine, il y a orange, mangue, bois de santal. Il y a tout ce qu'il faut. Le jardin d'Éden. What nice popo! Si j'étais en brume, quatre enfants, quatre machettes. Hein? Moi, je me souviens quand j'étais petit, hein, maman, papa, Bosco, va te couper quelque chose. Allez. Oui, mais je me suis coupé plein de fois. Et ça apprend. C'est une leçon. Ok, bébé. J'ai été en Australie. J'ai travaillé là-bas 3 mois. Le salaire, c'est 5 fois plus qu'au Vanuatu. Au Vanuatu, salaire moyen, c'est 25 000 par mois. Mais comme j'ai 4 gosses, j'ai voulu construire une maison. Australie, mais 3 mois. 3 mois en Australie, c'était comme si 3 ans au Vanuatu. On a l'habitude de travailler dans des fermes, nous. Comme je disais, il y a des écoles, c'est obligatoire d'y aller avec ta machette. T'as ta liste des fournitures scolaires, gomme, crayon, machette. Jean Bosco s'est installé à Port-Villa. Le père de Cécile, sa compagne, lui a donné un terrain. Hilda Lini fut la première femme députée au Parlement du Vanuatu. Elle a aussi été ministre. Elle se rend sur l'île de Pentecôte, au nord de l'archipel, pour commémorer une date importante, les 20 ans de la disparition de son frère Walter Lini, père de l'indépendance. Le pasteur anglican Walter Lini fut le tout premier premier ministre du Vanuatu indépendant de 1980 jusqu'en 1991. Il a fondé un parti politique prônant un socialisme mélanésien basé sur les valeurs traditionnelles. À l'époque, il craignait l'arrivée d'une nouvelle économie monétisée. Dans la continuité de son frère, Hilda Lini a fondé en 1996 la communauté Tuvanuatu, un réseau de dirigeants autochtones qui œuvre pour la sauvegarde du système coutumier. Le Vanuatu est gouverné par un président élu, un premier ministre, un parlement et aussi par un sénat coutumier composé de chefs traditionnels.
Hilda Ligny est l'une des seules femmes chefs coutumières de Pentecôte, une île qui résiste à l'économie de marché. La commémoration de la mort de Walter Ligny est l'occasion de débattre sur l'économie traditionnelle. On est ici aujourd'hui avec Motari Lalavoie, la chef Hilda Ligny. Moi, Viraingé, j'annonce l'ouverture du débat. On fait cette réunion pour parler de la coutume et de l'économie coutumière. Les Blancs ont perdu toutes leurs coutumes, mais ils viennent chez nous car ils sont intéressés par notre coutume. Eux, ils ont perdu leurs racines. Mais nous, nous savons les conserver et nous avons tout ce qu'il faut pour notre subsistance. Nous, dans les îles, nous avons notre gouvernement coutumier, Avila. Il y a le gouvernement du Vanuatu, c'est le gouvernement de Vila. Mais ici, dans les villages, c'est autrement. Ce sont les chefs qui décident. Nous, ici, on n'a pas d'argent. Mais si on a un cochon ou une natte, là, on a de la monnaie. Quand tu possèdes un cochon, tu te sens mieux. Tu as quelque chose qui représente une valeur. Si tu n'as ni argent, ni monnaie, ni cochon, alors un pied de pandanus sera ton argent. Ce que les Blancs appellent la monnaie, nous, nous en avons beaucoup. On est riches. Dans d'autres pays, ils n'ont que leur monnaie. Mais nous, ici, on a aussi nos racines et on a beaucoup d'argent. Je peux dire que les jeunes, parfois, ne connaissent pas la coutume. Mais on doit les aider dans le futur. Il le faut. Par exemple, s'il y a un décès, on doit faire la cérémonie coutumière. Mais les jeunes ne connaissent plus la tradition. Ce meeting a eu lieu dans un but précis. Le fait qu'il se soit déroulé ici, aujourd'hui, n'est pas seulement pour évoquer l'économie traditionnelle qui nous fait vivre au quotidien, mais c'est le début d'une planification concertée pour la population sur l'île de Pentecôte et au Vanuatu en général. C'est une première discussion. Ce ne sera pas la dernière et c'est le début d'un grand débat. Les chefs font référence à ce que le père de l'indépendance, Walter Ligny, a dit à cette époque. Après l'indépendance, lorsqu'il s'est rendu partout dans le pays, il est venu ici et il a dit à tout le monde ce qu'on doit être, te huri huri. Ce qui signifie en anglais que nous devons ajuster notre vie pour cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, en tant que pays indépendant. À partir de notre maison, en tant que famille, ensuite au niveau du village, de la communauté, puis au niveau insulaire et national. Lorsqu'un ménage vit grâce à l'économie traditionnelle, il est autosuffisant. Il est indépendant et peut compter sur lui-même et peut donc évoluer. La monnaie moderne, le Vatu, est mise en place lors de l'indépendance. Elle cohabite avec les monnaies coutumières. Toutes s'échangent entre elles. Principalement les cochons et dents de cochon, les nattes tressées, le homou ou monnaie coquillage, les ignames, les tarots et le kava, racine de poivrier sauvage.
On fait comme ça, tout doucement. Salvin Garou, un des chefs coutumiers de Pentecôte. Il vit avec sa famille dans le village de Sarah. Il faut de la fumée. Nous faisons du feu dans la cuisine pour plusieurs raisons. On cuisine sur le feu. La fumée protège et empêche de pourrir les nattes qui sont dans les paniers. Selvin possède un trésor, une banque de nattes tressées. Avant l'arrivée de la monnaie Vatou, au temps des nouvelles Hébrides, nous utilisions des nattes et des cochons pour faire du troc. Ces paniers servent à garder les nattes rouges à l'abri. C'est un peu notre banque. On les utilise pendant des cérémonies. Les nattes rouges ont de nombreux usages. Elles servent aussi de linceul lors des funérailles. On ne peut pas faire de cérémonie avec des Vatou. On doit le faire avec des nattes. C'est pour cela que les gens ici donnent plus d'importance aux nattes et aux cochons qu'aux Vatou. Cette natte vaut 6 000 Vatou. Et celle-ci, 5 000. La valeur des nattes change selon les motifs du tressage. Celle-ci est particulière, son tressage est spécial, et elle est plus chère que les autres. La valeur des nattes ne baisse pas. Avant, une natte comme celle-ci valait 2000 Vatou. Maintenant, c'est 6000. Et dans certains endroits, elle peut valoir 9000. Certains terrains cultivés par Salvin et Fancy sont éloignés de leur habitation. Ils doivent marcher de longues minutes pour nourrir leurs cochons, véritable monnaie sur pattes. Voilà mon cochon. L'autre là-bas qui grogne aussi. J'en ai plusieurs. Je ne nourris pas mes cochons chaque jour, car c'est difficile de trouver de la nourriture tous les jours. Je les nourris un jour sur deux, les uns après les autres. Ce cochon coûte cher, vraiment très cher. Ces cochons-là sont utilisés pour de nombreuses occasions, les mariages. Le garçon achète sa femme avec des cochons comme celui-là. Lors des cérémonies de passage de rang des chefs, on utilise encore des cochons. C'est très important dans notre culture. Lorsque j'ai obtenu le rang de Vira, Vira Tapé, j'ai dû tuer un cochon comme celui-là. En tuant des cochons, vous montez dans les grades de chef. Les hommes commencent par le bas et gravissent des échelons en tuant des cochons. Vira est un rang important. Les cochons sont au cœur du système traditionnel. En posséder un équivaut à l'ouverture d'un compte en banque. Ils valident le mariage dans le système coutumier. Wahi! Hi! Hi! Hi!
Un mariage, c'est le début de l'économie d'une nouvelle famille. Toutes les épouses arrivent chez leur mari avec un panier de nattes rouges fourni par leurs parents. Et ces nattes rouges sont considérées comme le début de leur richesse. C'est leur dot, en quelque sorte. Et le nouveau couple peut s'organiser à partir de ces nattes. Isolé dans la forêt, le village de Bosco, Novéa, est situé sur l'île d'Embrim. Novéa est habitée par une trentaine de familles, mais ne possède aucun commerce. Après 5 ans d'absence, Bosco revient auprès de ses parents comme un fils prodigue. Le village s'appelle Loja. Et on vit en communauté, on est en famille. Là. C'est tout, toute la communauté, c'est la famille. Les beaux-frères sont juste à côté, c'est la famille, quoi. Ils sont très contents de voir leur fils arriver après 5 ans là, d'absence. Et là, je leur ai amené des cadeaux, du riz. Parce que pour eux, ça, c'est cher d'en acheter ici. Dans les boutiques, c'est trop cher. Tiens, maman, ce sera pour le déjeuner. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des kiwis. Ils viennent de Nouvelle-Zélande. Merci. Il y a aussi des oranges. C'est pour les filles. C'est aussi bon contre le froid. Tantine, viens prendre ça. C'est pour travailler au jardin. Et là, je les amène des vêtements au retour. Avant mon départ, là, j'aurai des paniers, de maïs, des nyam, taro. C'est du trop, quoi. Viens prendre ce t-shirt, viens. Comment elle s'appelle, maman ? Maroni, viens. Pour ces retrouvailles, un plat de fête et une émotion contenue de part et d'autre. Omar. Salut, comment ça va ? Bien. Où sont les bananes mûres, papa ? Attention à ta machette, hein. Ne te coupe pas. Oui. Attends, j'essaye de tirer et je coupe ici, recule un peu. Ok. Ok. Là, je ramène ça à la cuisine à maman, puis on fait cuire, et puis on ajoutera du lait de coco. Hola. Oh
Tu as fini le casse-tête ? Ignace, le père de Bosco, est sculpteur sur bois au village. Ça, c'est pour taper du cochon. Tu frappes là, au front là. Et on s'en sert de ça auparavant pour pendant des guerres tribales. Là. Voilà. Le casse-tête sculpté est une monnaie d'échange recherchée. Mais pour l'instant, Ignace n'a pas prévu de l'échanger. Le kava, on le boit toujours à la fin de la journée. Après une journée de travail, on est un peu fatigué. Pour bien dormir, ça fait comme somnifère, ça fait comme massage, ça calme. Dès qu'une racine est prélevée, elle est aussitôt replantée. On a 190 différentes variétés de kava. Il y en a des kava très forts. Tu dors pendant 2 jours. Moi qui vis en ville, quand j'arrive, le premier soir, tout le monde, on boit de kava ensemble, c'est pour se reconnecter. Oh Bosco, on t'a pas vu, ça fait 5 ans, il y a un kava là derrière la maison, on l'arrache, on boit ensemble. Et c'est aussi en ce moment-là que les hommes discutent un peu les affaires du village. Et nous, on ne boit pas d'alcool. On n'a pas l'habitude de boire l'alcool. Et on devient fou quand on boit l'alcool. Par contre, le kava, c'est presque tout le soir. Il est bon, ce kava. Je ne sens plus ma langue ni mes doigts. Malgré l'absence de commerce, les habitants ne manquent de rien. Il suffit d'avoir sur soi une monnaie d'échange. Salut cousin, voilà ton poisson. Et voilà ton kava. Il n'a pas fait beau. Il y a du vent. Comment as-tu fait pour attraper tous ces poissons ? C'est rien du tout ça. Je connais les bons coins où il faut aller pêcher. Mais à cause du temps, je n'ai attrapé que des petits. Encore merci cousin pour le poisson. Car chez moi, on ne mange que des choux des îles. Les îles de l'archipel sont reliées par un mode de transaction bien rodé. Produits manufacturés contre produits locaux. Ce matin, un cargo de Port-Vila vient d'arriver sur l'île de Pentecôte, chargé de sacs de riz, de lessive, de ciment et divers produits de première nécessité. Ici, c'est l'endroit où on apporte nos produits pour qu'ils soient embarqués sur le bateau. Kava, légumes, fruits qui seront ensuite vendus sur les marchés de Port-Vila et Santo. Nous envoyons le kava dans les marchés pour acheter ce dont nous avons besoin avec l'argent de la vente. Par exemple, du ciment, du fil de fer, du grillage. Et on le fait ensuite transporter ici. Le
l'économie de marché gagne du terrain dans l'archipel. Le challenge du gouvernement est de préserver les échanges traditionnels. Nous avions besoin d'identifier notre sujet et de trouver un moyen de le quantifier. Lorsque nous avons énoncé le concept, le terme d'économie traditionnelle ou d'économie coutumière dans les années 2000, c'était une première réflexion sur quelque chose qui avait toujours été là. Mais on n'avait jamais nommé ou essayé de comprendre comment elle contribuait au développement du pays et au bien-être de la population. Selon les statistiques du gouvernement, tout le monde au Vanuatu est en état de pauvreté absolue, car les habitants n'ont pas de monnaie, ils n'ont pas de cash. Les habitants ont moins d'un dollar par jour, ce qui est la définition de l'absolue pauvreté. Nous nous sommes aperçus que la politique du gouvernement avait un impact négatif sur la manière dont les gens vivaient au quotidien. Par exemple, on obligeait les parents à payer les frais de scolarité en cash, alors ils devaient trouver un moyen de se procurer de l'argent, ce qui les obligeait à sortir de leur vie traditionnelle pour parvenir à payer les frais scolaires. Donc voilà un exemple de réflexion que nous avons eue. Nous avons autorisé les parents à payer les frais de scolarité en monnaie coutumière, en igname, en taro, parce que l'école doit également nourrir les enfants. Celle-là, elle est très grande. Et en plus, elle est teinte. Donc pour le prix, je vous l'estime à 2000 vatous. Et celle-ci aussi, 2000. Cette politique est maintenant adoptée par le gouvernement. Elle est pratiquée dans certaines circonstances, par exemple dans les internats, et seulement lorsque le conseil d'école l'accepte. Nous avons par exemple soutenu cette politique afin qu'elle devienne plus répandue dans le pays. Nous avons obtenu la même chose pour le règlement dans les services de santé et dans les hôpitaux. Nous retrouvons Selvin Garou à l'hôpital de Serra. Il est venu pour payer une facture avec un cochon. Je suis là pour ma fille Delphine, qui est venue se faire soigner ici avec son bébé. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas assez d'argent pour payer la facture de l'hôpital. Et là, j'ai un cochon. Il s'appelle Udurugu. Je ne sais pas quel est le montant des frais, mais vous pouvez venir le voir. Bien, d'accord. Nous allons voir si nous pouvons le faire. De nos jours, beaucoup de gens ont besoin de cochons pour des mariages ou un tas d'autres choses dans la coutume. Si j'arrive à le vendre, vous aurez certainement un crédit supplémentaire pour les frais d'hôpital. Je pense que le cochon est bon. Je l'ai amené avec mon camion. Veuillez accepter ce cochon de la part de ma fille Delphine. Trois tours autour du cochon et le paiement est validé. Autre initiative du gouvernement, l'installation d'un truck shop. Dans le village de Mahorep, au sud de l'île, les habitants apportent leur production de kava. Selon le poids et la valeur en vatou, ils peuvent acheter dans la boutique thon, lessive, riz et autres denrées.
Avant l'arrivée du Vatu, la monnaie locale était abondante. Tout était là pour subvenir à nos besoins. Si tu n'avais pas de cava, tu échangeais avec un cochon. Si tu n'avais pas de cochon, tu échangeais avec des ignames ou bien des nattes, comme celle-ci. Tu pouvais tout trouver sur place. Mais quand le Vatu est arrivé, nous avons dû travailler pour avoir des Vatu. La richesse de Pentecôte, du Vanuatu, repose dans sa terre. Igname, cochon, natte, tout pousse dans le sol. Pas besoin de creuser pour trouver de l'or. Les jeunes savent qu'il leur suffit de planter du taro ou du cava pour avoir un téléphone mobile. Ils vendent leurs produits, ils ont des Vatu et peuvent aller acheter ce qu'ils souhaitent. Retour dans le village de Bosco. Le vol d'un poulet mobilise tous les hommes. Le chef coutumier Eli convoque aussitôt un tribunal composé des anciens. La justice n'attend pas. On est là pour rapporter un vol de poule. Et il paraît que c'est toi qui as volé une poule, Noël. Oui, c'est moi qui l'ai volée. Elle était en train de picorer dans mon jardin. Mais maintenant, je suis prêt à lui rendre la poule, afin qu'on fasse coutume, pour que l'on puisse vivre en paix, comme dans la vie de tous les jours. Merci d'avoir avoué que c'est toi qui l'as volé. Il va remplacer ta poule par une autre. Tu es d'accord pour qu'il remplace ta poule par une autre et faire la coutume ? Nous, on est une famille. Si tu m'avais demandé la poule, je te l'aurais donnée. Aujourd'hui, j'arrête de voler. Je ne volerai plus de poules, plus de cava, plus de bananes. C'est fini, je ne le ferai plus jamais. Ok, c'est la fin de notre réunion. On veut que tu lui donnes une autre poule en échange, plus des tubercules. Et ainsi, on pourra vivre en paix comme avant. C'est bon. Merci à toi d'avoir accepté notre décision. Va chercher les tubercules et pose-les ici. Dans notre système, quand il y a un problème ou que la paix est troublée et doit être restaurée, il y a des moyens pour le faire. Il y a des amendes ou des compensations par rapport à ce qui s'est passé. Mais personne ne va en prison dans notre système. Les habitants sont supervisés par le système coutumier, le nakamal. Et on apprend à ceux qui désobéissent à ne pas refaire la même erreur. C'est bon, merci à toi d'avoir accepté notre décision. Tu peux prendre les tubercules, pose-les près de ta femme. J'ai grandi ici. C'est seulement pour aller à l'école que j'ai dû aller à Port Vila. Mais je suis revenue tous les ans à Pentecôte, dans mon village, donc j'ai pu voir comment les gens parvenaient à vivre grâce à l'économie traditionnelle.
Moi, j'ai eu un salaire. J'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé à Fidji, j'ai voyagé partout dans le monde et je pense encore que l'économie coutumière est le moyen de survivre au Vanuatu. Chez nous, personne n'est pauvre. Tout le monde a de la terre pour planter. S'ils n'utilisent pas la terre, ils n'ont rien, bien sûr. Nous appelons ça de la paresse. Tu n'as rien, car tu es paresseux. Mais ils ne sont pas pauvres. Nous n'avons pas de mots pour pauvre et pauvreté dans notre langue. Comment parvenir à préserver l'économie du troc aujourd'hui? Là, tu vois cette plante? Ça s'appelle nanara. Répète, nanara. Nanara. C'est une plante qui guérit le mal de tête. On peut se soigner avec. Ce sont les lois coutumières qui définissent où on doit vivre et où on doit faire les jardins. Donc, nous ne possédons pas la terre. C'est la coutume. À Pentecôte, il y a deux tribus, Boulé et Tabi. Ma femme, Fancy, est Tabi. Je suis Boulé. Nous n'épousons pas les gens de notre tribu, jamais. Nous devons prendre époux dans l'autre tribu. Quand nous nous sommes mariés, ma femme Fancy est venue ici et sa tribu lui a donné accès à un terrain qui est là-bas, sur lequel nous pouvons planter notre jardin, parce qu'elle s'est mariée avec moi. Tout le monde a accès à la terre. Et la coutume s'assure que chacun y a effectivement accès. Personne n'est laissé de côté. Mon père avait accès à cette terre. Quand il est mort, j'ai hérité du droit d'utiliser la terre. Quand je disparaîtrai, mon fils aîné et ses enfants auront accès à la terre. Quand mon fils disparaîtra, son fils aîné aura accès à la terre. Mais la terre appartient à la coutume. Elle n'appartient pas à un homme. Aujourd'hui, les jeunes ont des aspirations nouvelles et des influences venues d'ailleurs qui pourraient les éloigner des modèles traditionnels. Bosco incarne cette double culture auprès des jeunes de son village. Ce matin, Bosco se rend à la banque, la seule d'Embrime. Il est l'un des rares à avoir un compte en banque sur l'île. Il vient chercher des petites coupures pour faciliter des transactions comme l'achat de café ou d'essence. Bonjour monsieur, je voudrais changer de l'argent. Tu as assez de change? Oui, il y en a assez. Je voudrais changer un billet de 10 000 en billet de 1 000, s'il vous plaît.
On n'a qu'une seule banque au nord d'Ombrim, c'est ici, là. Moi, j'ai une compte à la banque, ouais. Et sur Ombrim, je peux dire peut-être 10% de personnes qui ont des comptes à la banque. Voilà. Seven, eight, neuf, dix. C'est par là. Nous sommes à Fanla, un village situé au pied du volcan Maroum. Bosco va à la rencontre du chef Bong, une figure respectée, parfois crainte par les habitants. On dit même qu'il a le pouvoir de communiquer avec les ancêtres. Bosco va lui proposer un échange. Il souhaite troquer le casse-tête de son père contre une pierre magique. Bonjour grand-père, comment vas-tu? Ça fait des années que je ne t'ai pas vu. J'ai entendu dire à Villa que tu possèdes une pierre spéciale. Je voudrais l'échanger avec un casse-tête. Il a été sculpté par mon père, le voilà. Il est très noir. Très bien, je vais chercher la pierre. Ok, je t'attends. Cette pierre peut rapporter beaucoup de choses. Si tu as cette pierre chez toi, ça peut apporter beaucoup de richesses. Très bien, grand-père. Je vais la mettre dans ma chambre. Cette pierre s'appelle l'Elienglo. C'est une pierre magique. Une pierre comme celle-ci a été prise par M. Peco, un colon français des Nouvelles Hébrides. Et il est parti avec en France. J'ai toujours entendu mon père raconter son histoire, mais c'est la première fois que je la vois en vrai. J'aime beaucoup ce casse-tête. Il est très noir. Le chef Bong à Fanla, il est très connu comme magicien. Mon père, il a vécu toute sa vie au nord d'Ombrim aussi. Et puis, c'est lui qui m'a dit d'aller voir le chef Bong pour prendre cette pierre magique pour me protéger quand j'habite là-bas. Comme ma mère, elle est un peu inquiète. Ah, et dit au fils d'aller chercher un truc pour se protéger. Le chef Bong a accepté l'échange. Il est persuadé que la pierre magique protégera Bosco à Port Villa. Si on vivait comme auparavant, ça serait mieux pour tout le monde. Pas de dispute de terre. Aujourd'hui, c'est une autre façon de vivre. La vie devient plus dure. Il y a beaucoup de disputes de terre. C'est à cause de l'argent, parce qu'on s'est adapté à un autre style de vie. Si on vivait comme autrefois, on vivrait longtemps en paix. Par contre, avec notre façon de vivre aujourd'hui, il y a les religions, les écoles, la police. Tout ça ne rapporte que des problèmes en plus. Depuis l'indépendance, l'économie traditionnelle et le troc résistent bien, malgré l'augmentation soutenue de la population et des flux économiques liés aux investissements croissants des voisins chinois et australiens. En 2006, la London Economics Foundation a même classé le Vanuatu le pays le plus heureux du monde. Son produit intérieur brut le classait pourtant parmi les pays les plus pauvres de la planète. Le Vanuatu est un modèle pour les pays du Pacifique, attachés au troc et au système coutumier. C'est un de mes grands espoirs. Je pense que la coutume peut durer longtemps.
Mais j'ai peur des changements du monde si le gouvernement ne protège pas notre coutume. Nous, les chefs, nous avons la possibilité de préserver notre coutume. Mais si le gouvernement ouvre la porte, alors je ne sais pas ce qu'il peut arriver. Bientôt pour un nouvel archipel, vous pouvez revoir l'émission et retrouver son actualité sur tous vos écrans.